Et le départ qui est donné à l'instant même pour le prix Robert de Clermont-Tonnerre, le premier groupe de la saison 2020 sur l'hippodrome d'Auteuil, en route, peut-être pour certains, vers le prochain grand steeple chase de Paris. 4400 mètres à parcourir. Et c'est bien Kaffer Titi, le numéro 6, qui vient s'installer en tête. Bien parti également Gianicolo, qui vient à son extérieur. En troisième position, il y a Capdam, à la corde Emira, devant le favori Polygrandchamp. Mérédith vient ensuite au centre du peloton, devant Amour du Matin, quand en jeu d'Artel est à la corde, devant Lascalin, vaincu en trois tentatives sur le steeple jusque-là. Shinko Star est avant-dernier, avec au dernier rang la présence du numéro 5, Sansone, devant le 3, Farnis. Et c'est donc le numéro 8, Gianicolo, qui est venu s'installer aux commandes, menant devant le numéro 6, Kaffer Titi, qui est en deuxième position, alors que le numéro 9, Capdam, est troisième à la corde, galopant à la hauteur du 12, Mérédith. C'est la casaque jaune et violet qui vient en dehors. Le 11, Amour du Matin, est en 6-7e position au moment où ils franchissent la butte, alors que le 4, Polygrandchamp, le numéro 2, Shinko Star, le 7, Emira, patiente pour l'instant à l'arrière-garde avec le numéro 1. Il s'agit d'Ange d'Artel. Et le numéro 10, Lascalin. C'est pour l'instant le numéro 5, Sansone, qui ferme la marche. Direction le 8 à présent avec les outsiders aux avant-postes, puisque c'est Gianicolo qui a l'avantage devant Kaffer Titi. Mérédith vient ensuite à la hauteur de Capdam. Amour du Battant est au centre devant le favori Polygrandchamp. Ange d'Artel est à la hauteur de son compagnon d'entraînement Emira pour franchir justement le 8. Lascalin a commis une légère hésitation à la réception. Il est à l'arrière-garde devant le numéro 2, Shinko Star. Le 5, Sansone, et toujours Farnis qui est dernier. Se dirigeant vers l'Auxerre avec aux avant-postes le 8, Gianicolo. Alors que là, on a en deuxième position le 12, Mérédith, et en troisième place, Kaffer Titi. En quatrième position, Polygrandchamp. Alors que Sansone se rapproche à l'extérieur et que le numéro 3, Farnis, vient de chuter à l'Auxerre. On notera également une faute du numéro 2, Shinko Star, alors qu'ils vont franchir le Bullfinch. Toujours sous la conduite de Gianicolo. Faute de Mérédith à la réception qui reste toutefois en course. Kaffer Titi est en deuxième position devant Capdam. Polygrandchamp, le favori, suit. Il est en 5-6e position au centre, donc devant Amour du Matin, devant Lascalin qui est à la hauteur d'Ange d'Artel. Emira se faufile maintenant à la corde. Sansone est toujours à l'arrière-garde devant le numéro 2, Shinko Star, à présent, qui ferme la marche. Farnis est en train de galoper, hein. Pas de problème pour celui qui a chuté, son jockey également qui s'est relevé, alors que les concurrents vont franchir la double barrière, avec aux avant-postes le 8, Gianicolo, dans son dos le 6, Kaffer Titi en 3e position, toujours le 12, Mérédith, et en 4e place à la corde le 9, Capdam. On retrouve ensuite le 11, il s'agit de Amour du Matin, accompagné par Polygrandchamp, alors que là, son jeu d'Artel progresse à l'extérieur et vient devant Lascalin, devant le numéro 5, Sansone, alors qu'à l'arrière il y a Emira et le 2, Costard. Direction à présent eh bien, la rivière Les Tribunes, toujours sous la conduite du numéro 8, Gianicolo. Kaffer Titi est en deuxième position. Capdam accélère à la corde devant Polygrandchamp. À l'extérieur se rapproche le numéro 1, Ange d'Artel, à la hauteur de Mérédith, devant Lascalin qui suit librement à l'extérieur. Sansone également a choisi le chemin de l'extérieur. À l'arrière, il y a Amour du Matin ou encore Shinko Star. Chute de Gianicolo à la rivière. Chute également de Amour du Matin, le numéro 11. Direction la haie du pavillon avec Kaffer Titi sur la ligne de tête à présent. Aux côtés d'Ange d'Artel, devant Polygrandchamp, le favori. Capdam est à la corde, Mérédith bien à l'extérieur, devant Lascalin et Sansone, avec à l'arrière-garde Emira, hein, qui est fermement réprimandé par son partenaire, et Shinko Star, qui est toujours dernier. Alors que les concurrents vont bientôt passer devant le Parc des Princes, c'est le numéro 1, Ange d'Artel, qui est aux commandes, avec le numéro 6, Kaffer Titi, qui est deuxième. Le 4, Polygrandchamp, est en troisième position, Mérédith est quatrième. Capdam, le numéro 9, qui vient cinquième. À la corde est à la hauteur du numéro 10, Lascalin, devant Sansone, casaque jaune et noir qui vient encore devant le numéro 2, Shinko Star, ainsi que le numéro 7, Emira, qui est en dernière position. La course qui a maintenant pris une autre configuration avec Ange d'Artel, donc qui hausse le ton en tête devant Mérédith. Polygrandchamp, le favori, est maintenant troisième à la corde devant Sansone qui se rapproche à l'extérieur. Capdam qui est toujours en beau rang à la corde devant Kaffer Titi. Lascalin également maintenant qui revient très près des premiers alors qu'ils viennent de franchir le Brook. À l'arrière-garde, il y a Shinko Star devant le numéro 7, Emira, pour franchir le gros open ditch. Ange d'Artel avec le 4, Polygrandchamp qui vient à son intérieur. Mérédith qui est en troisième position. Lascalin qui progresse en dehors. Capdam est côté corde devant le 6, Kaffer Titi, accompagné à l'arrière par le numéro 5, Sansone, par Emira également, qui est toujours en léger retrait avec le numéro 2, Shinko Star.
Le mur franchi en tête par Poly Grandchamp, le favori qui vient maintenant prendre l'avantage devant Enjeu d'Artel. Capdame est en troisième position à hauteur de l'Ascalin. Meredith vient un peu plus loin en cinquième position. Cafertiti tente de s'accrocher, de même que Shinko Star. Sanson également qui est à l'extérieur mais qui a encore du terrain à refaire sur les premiers des premiers qui abordent déjà le tournant final. Et notamment le numéro 4, Poly Grandchamp, qui allonge maintenant ses foulées et qui prend immédiatement 3-4 longueurs d'avance sur le numéro 1. Enjeu d'Artel, on réagit également à l'extérieur avec Bertrand Lestrade en selle sur le numéro 5. Sanson qui se rapproche maintenant, il vient se placer en troisième position. Capdame est quatrième, Lascalin est cinquième, Meredith est sixième devant Emira, accompagné par le numéro 6, Cafertiti, alors qu'ils vont aller franchir la double barrière. Avec Tristan Lemagnien qui a peut-être placé un uppercut à ses adversaires, il part de loin avec Poly Grandchamp, deuxième l'année passée. Il va tenter ici de monter sur la plus haute marche du podium, mais derrière, il y a là son jeu d'Artel, mais également Sanson devant Capdame et Lascalin. Et Poly Grandchamp qui vient maintenant sur la dernière ES, seul en tête maintenant, se relançant désormais devant le numéro 1, jeu d'Artel, qui est en deuxième position, et devant Sanson qui est en troisième position. Poly Grandchamp à l'avantage, Enjeu d'Artel est deuxième, Sanson est en troisième position. Poly Grandchamp, le numéro 4, qui va mener sa tâche à bien ici et s'imposer dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre. La deuxième place reviendra à Enjeu d'Artel, la troisième à Sanson, la quatrième au numéro 9, Capdame.